L'Open Veil des Bruxellois a eu du pain sur la planche ce samedi. Un congrès, des groupes de travail qui ont rédigé textes et amendements, sans oublier les discours. Le parti semble gonflé à bloc, avec une ligne bien claire. Le mot-clé, c'est le travail. Le travail à Bruxelles pour les 30 à 50% des jeunes qui ne trouvent pas de boulot à Bruxelles. Ça, c'est l'enjeu principal. L'Open Veil Day, c'est avant tout une vision libérale pour Bruxelles, loin, très loin même des querelles institutionnelles. À croire que les néerlandophones de Bruxelles ne partagent pas les mêmes préoccupations que certains flamands de Flandre. Nous disons de plus en plus que nous sommes des néerlandophones de Bruxelles. Parce que le mot flamand est utilisé, surtout par la NVA, dans un discours séparatiste. Et ça, nous ne voulons rien avoir à voir avec cela. J'ai fait cette semaine un appel pour avoir une pause communautaire. Il y a maintenant une grande réforme d'État. Ça suffit pour l'instant et parlons d'autre chose maintenant. Au premier rang, un francophone dans ce congrès d'un parti néerlandophone. Comme quoi, tout arrive. On pense quand même la même chose sur beaucoup de sujets, peut-être pas sur l'ensemble des sujets, mais je trouvais sympathique, même s'il faisait beau aujourd'hui et que je pouvais faire autre chose un samedi après-midi, de venir les soutenir dans leur combat qui, pour l'essentiel, a des points communs avec le nôtre sur Bruxelles. Mobilité, qualité de vie en ville et surtout enseignement et emploi des jeunes, telles sont donc les priorités de l'Open Veil des Bruxellois. Le parti veut montrer l'exemple, se mettre au travail, loin des tensions communautaires.